Bonjour, c'est Gryfox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protoss contre Terra, on est sur Oxide, et on a un niveau de jeu diamant autour de 3800, 3900 MMR par là. Ok, c'est parti, hop. Bon, on va partir sur un start assez classique. Je vais open en 4 Stalker de façon assez défensive, j'irai juste scout pour prendre l'info. Mode de jeu de mon côté toujours assez macro défensif, hein, c'est globalement comme ça que j'aime bien jouer. Hop, le petit chrono boost. Bon, je vais essayer de ne pas trop rater mon BO malgré le fait que je filme et que je commente. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, hein, je n'ai plus l'habitude. Va falloir que je reprenne un peu les automatismes. Hop, le petit scout, le check anti-proxy. On va poser un deuxième portail. Bon. Ah, ça me fait plaisir de retrouver ce jeu là. Ça fait un petit moment, je vous avouerai. Ça me manquait un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Alors, pas de B2 pour l'instant. Ok. Je pense que... Ah d'accord, il est en train de faire un... Alors par contre là, je me suis un peu... Ouais, j'ai un peu tardé à me poser mon pylône, mais ça va. Ok, une B2, je me disais bien. D'accord, en vrai, on va aller le saouler. Là, je l'ai saoulé. C'est bon, j'ai fait mon taf. Alors, par contre, ne crève pas, s'il te plaît. Ah, j'ai un peu grid. Bon, bah, je perds la sonde, tant pis. C'est pas grave, je serai prêt à recevoir son Reaper. J'ai mes petits stalkers qui sont prêts. Je vais en caler un par là. Un par là. Ça devrait être à peu près ok. Allez, on pose la B2. Ouais, bon, du coup j'ai un peu tardé à poser mon pylône là, je vais avoir un mini supply block, mais pas trop méchant normalement. Tiens, toujours pas de Reaper, je suis un peu surpris. Peut-être qu'il a vu que j'avais chrono mes portails. Ah ok, je me disais aussi. Hop, on va lancer le warp. Je vais sortir des sentinelles pour pouvoir aller prendre la vision. Non, pour l'instant, je suis plutôt safe. Je vais me faire une petite batterie. Hop. Ça me stresse toujours le machin là. Faut que je le pèse, sinon je me sens mal. Ça, c'est les éléments perturbateurs, évidemment. Hop, je vais caler un stalker ici quand même pour recevoir son faucheur éventuellement. Je pense qu'il est temps de poser ma forge. Ok, les premières sentinelles qui sortent. Bon, bah on va pouvoir se développer tranquillement la suite. Ok, je vais reposer des portails. Faudrait que j'aille prendre de l'info, là je suis à l'aveugle depuis tout à l'heure, mais bon j'ai vu qu'il était parti avec une B2 assez fast, alors soit il va jouer macro, soit il va me faire un énorme push. Donc évidemment si j'ai un push il faut que je sois prêt, c'est là il y a un peu de danger. Donc on va essayer de prendre l'info aussi vite que possible. Toujours garder la production de récolteurs ininterrompue, ça c'est très important. Allez, on va balancer le plus 1 d'attaque, on le chrono, la robot. Hop, moi j'aime bien faire la charge très vite, je trouve que ça rend extrêmement safe en cas de push. très très fort, autant en attaque qu'en défense. Allez, on va aller prendre la vision. J'aime bien jouer avec 4 sentinelles, ça me permet vraiment d'aller scout en permanence. Et on va... ouais, c'est un peu tôt encore. On va essayer d'avoir de l'arc-compte assez vite, histoire d'être le plus safe possible. On va commencer à aller regarder la B3, mais pas trop vite non plus, parce que si je grid la B3, c'est là que je peux me faire détruire sur un push. Ah, voilà. Oh putain, j'ai pas posé mes... Je regardais pas. Oh, je prends tellement cher. J'ai pas posé mes... J'ai oublié de poser mes canons. Voilà. Bah GG à tous. Non, si le mec est bon en face, normalement je me relève pas de ça. Je suis en train de parler, je suis en train de faire 40 000 trucs et j'ai pas posé mes canons. Je me dis bien, j'ai beaucoup de minerais, c'est bizarre. Bah effectivement. Par contre, j'espère que j'ai bien pété les deux mines. Non, ça c'est vraiment les drops de mine quand ça passe, ça fait des dégâts, c'est insane, hein, vraiment ça fait très très mal. Mais bon, bah c'est my bad, hein, j'avais qu'à être plus vigilant. Allez, on va essayer de se relever de ça, ça va être compliqué. Ok, on va mettre le plus de d'attaque. Je vais essayer de me faire le blink. Là, là je suis très vulnérable. On va essayer d'aller chercher une B3. Là j'ai vraiment un timing où je suis à poil, hein. S'il m'attaque maintenant, je me fais détruire. S'il a une bioball, et je crois que ça a l'air d'être en train d'attaquer maintenant. Donc on va arrêter de produire des récolteurs. Ah bah oui. Non, c'est de la merde. C'est de l'énorme merde ce que je fais. Il me faut à tout prix de l'arc-compte. Du coup, j'ai pas assez de guides qui sont posés, évidemment. On va chrono les upgrades. Le fait d'avoir oublié mes canons, en fait, là, ça m'a mis dans une sauce assez colossale, hein. Non, par contre, je sais pas pourquoi il vient pas m'achever, là. Ok, il y a des mines. On va essayer de mettre un observateur ici. Ok, il cale des mines en bas. Ah oui, d'accord. On va voir ce qu'on peut faire. Il faut que je fasse gaffe à la mine que je vais me prendre. Pour l'instant, je crois qu'il a pas calé que j'avais des DT. Par contre, là, le tank, il me détruit. Ouais, mais ça va, les DT font leur taf. Le mec n'a pas vu. Je vais peut-être avoir une porte de sortie grâce à ça. J'essaie de garder, de me maintenir une écho qui ressemble à quelque chose. J'ai clean la mine, là. Ouais. Il me faut du colosse à tout prix pour pouvoir encaisser le prochain push. J'ai perdu beaucoup sur le drop des mines, hein. Ça m'a mis vraiment au fond. Ok, j'ai mon plus 2. Ok, je vais pouvoir poser ma B3. Je suis obligé de grid la B3 parce que si je prends pas une ambition au niveau économique, je suis mort, hein. Je vais essayer d'aller prendre un peu de vision au point clé de la map. Hop. Allez, on lance le plus 3 d'attaque. Je grid, hein, mais je suis obligé parce que si je grid pas, il est devant là, normalement. Allez, on va essayer d'aller prendre un peu d'infos. C'est quoi ça? C'est un tank. On va essayer de se faire une frontline aux zélotes. Faut que je chrono en permanence l'upgrade. On va essayer de se mettre un tout petit peu de défense là-dessus. Bon, mes observateurs sont en place. Ah, il a masse base en face, il est en train de prendre un lead économique absolument phénoménal. Je suis dans la sauce, hein. Très compliqué là. Comment je me relève de ça, moi? Faut trouver le bon équilibre entre avoir de quoi recevoir le prochain push qui va me faire très mal et ne pas me retrouver complètement perdu économiquement. Donc continuer quand même à produire de l'écho. Il me faut du... C'est quoi ça? Ouais. Marine, il me faut absolument du colosse. Le problème c'est qu'il me faut aussi de la thermolance. Heureusement j'ai pas mal d'énergie de chrono boost en rab. Par contre le nombre de récolteurs que j'ai là... Ah, je sens que je vais me faire bourrer, ça va me faire très mal. Ok, je suis full pop en plus parce que je me régale. Hein. Bon, on va essayer d'aller chercher la B4 doucement, mais je vais pas la poser, il me faut de la pop. Il me faut de l'info sur lui. J'ai vu des marines par là. Est-ce que je peux me permettre de prendre ce fight ou est-ce que c'est de la merde? Il a beaucoup trop en fait. Je suis le pire des débiles moi. Allez, faut que je lui mette du friendly fire dans la tête. Non, c'est bon, hein, j'ai mes immo qui dépeuplent les tanks. Il a toujours pas vu que j'avais les... Ce qui me sauve, c'est les DT, hein, vraiment, parce que le mec a pas vu. Hein. Allez, je continue à grid le développement économique. Je vais essayer de me refaire un colosse, on chrono les upgrades. Il faut pas que je me retrouve full pop et que je puisse warper en masse. Va falloir que je commence à contre-attaquer parce que là pour l'instant je me fais dominer comme pas possible. C'est assez désagréable, hein, je vous le cacherai pas. On va essayer de passer au full upgrade assez vite. Bon, d'un point de vue éco, là je commence un peu à retomber sur mes pattes. Il faut que... Là il me faut vraiment de l'armée là. Hein. Je suis un peu à poil. De l'arconte. J'ai mes deux immo, je vais avoir mes deux colosses. Je considère que ça me... J'allais dire, je considère que ça me suffira, mais je vais même en faire un de plus. Il a l'air de jouer vraiment beaucoup sur de la bio. J'imagine qu'il va commencer à comprendre qu'il faut qu'il mette de la détection, sinon c'est un peu bizarre. Est-ce que j'essayerai pas d'aller le catch là pendant qu'il est pas en position? Parce qu'en fait, je prends beaucoup trop de dégâts si j'attends qu'il soit en position. Ça, c'est un problème, ça. Ok, il claque des scans. Ouais, j'aurais dû y aller avant, maintenant ça va être beaucoup trop compliqué. On va voir comment je peux m'en sortir. J'ai quand même des archontes. Ouais, non, mais je m'en sors pas trop mal en vrai. Hein. Les colosses là qui ont fait un travail monumental. Alors on va éviter d'aller se donner par contre. Allez, on va. Et les médives avec plein d'énergie là, je me régale. Allez, je l'ai eu. Ok, bah écoutez, j'arrive à faire un comeback là, alors que je peux vous dire que j'étais dans une sauce absolument indescriptible. Les upgrades qui continuent à arriver. Je pense que j'ai assez de colosses. Maintenant, il va me falloir nécessairement une transition sur de l'aérien, sinon je vais plus pouvoir tenir au bout d'un moment. Avec ces libératoires, il va me faire beaucoup trop de dégâts. Donc on va... Merde, j'ai cancel, mais... Putain, je suis vraiment le pire. Hop, 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 allez. Les upgrades qui continuent. Je vais faire une énorme armée aérienne. Hein. Il me faudrait de l'arconte. Il faut quand même que je drop de l'unité en masse là parce que... Attendez, c'est sérieux ça? Ah oui d'accord. Comment je me débarrasse de ça en fait? Quelqu'un peut m'expliquer ou... Oh putain, il est infernal. Là vous allez me dire que je peux pas le déloger là, c'est ça? Bah en fait, voilà. Bah GG les Terran, hein. Juste sur ça il me met au fond. Il m'a mis des dégâts incroyables. D'où l'intérêt, comme je disais, de passer en aérien, mais... Là, je sais même pas comment je le déloge en fait. Hein. Et là, bah du coup, je suis plus en position. Ça me fait beaucoup trop mal les libérateurs, hein. Casser la distance c'est vraiment pas simple. Mais vraiment j'ai rien pour le déloger là. Oh, les dégâts que je prends pour rien du tout. Ah ça c'est aberrant par contre. Et il est encore là. Je me suis fait défoncer mon écho. J'avais réussi à remonter une écho correcte. Mais là, bah franchement, ça va être chaud. Il faut que je blinde de canons partout. Et en fait, surtout, il faut que... j'arrive à faire une transition sur l'aérien. Et il est encore là. Ah, mais je peux pas jouer. Je peux pas jouer, je peux pas faire de comeback économique. Je prends juste trop cher en fait. J'ai pas d'autre choix que d'y aller dedans, hein, là, mais... Bah voilà. Bah, GG à lui. Liberator, moi je ne sais pas quoi faire. J'ai trop tardé à avoir mon aérien qui sort, il me faudrait des dislockers en masse en fait, mais on va essayer de sauver ce qu'on peut. Mais là, bah là c'est mort. Hein. C'est tout simplement mort. Ah non, c'est avec la range, franchement, je sais pas comment je peux gérer ça. Il aurait fallu juste que j'ai de l'aérien, des tempêtes plutôt. Là, bah, GG. Bon, bah écoutez, tant pis, c'était quand même sympa, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai eu un moment où j'avais commencé à reprendre l'avantage. Il aurait fallu que j'ose vraiment poser mes Stargate plus tôt, en fait, là... Là j'ai trop tardé et du coup bah en fait je peux même plus l'approcher quoi. Et il y a eu un moment où je l'ai vu ici, j'aurais dû l'attaquer quand il n'était pas en position, là je l'aurais vraiment crush. Et à chaque fois j'ai pas pris le temps de refaire mes archontes en fait, et il m'aurait fallu les archontes pour avoir du DPS en zone dessus et tanker un peu. C'est pas grave, écoutez je reprends, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé quand même de me battre un peu, mais là je me fais calmer. Liberator, trop fort. Ah oui, je suis à 3700 MMR. J'étais à 3900 il y a peu de temps. Bon, on va reprendre un peu les habitudes, on va essayer de remonter tout ça, ça va le faire. J'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Ah oui, on va quand même check un peu les scores. Valeur d'armée. Ouais, il y a un moment j'étais vraiment très bien, là c'est les Liberator, hein, j'ai trop tardé à engage. Niveau des ressources, ouais, il a pris un lead économique qui m'a fait trop de dégâts. Et ouais, à la fin, il avait l'avantage partout. Bah GG à lui, il a été meilleur, hein, tout simplement. Voilà, bah écoutez, passez une bonne soirée et à bientôt.